L'objectif principal, c'est la formation. Donc, que ce soit pour nos étudiants ou ceux de Montpellier, plus ils voient des choses diversifiées, plus ils échangent des points de vue différents, des analyses différentes, plus c'est des futurs chercheurs. Donc, ça leur permet de se poser des questions, peut-être parfois de se remettre en cause, parfois de discuter certaines décisions, certaines questions. Les vrais maîtres d'œuvre de cette école de terrain, c'est les étudiants. Donc, on est là pour orienter, pour guider, mais c'est eux qui prennent en main tout ce qui va se dérouler sur le terrain, de la problématique scientifique jusqu'aux petits détails, les outils qu'ils doivent emmener avec eux, le matériel. Et ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage, les responsabiliser, leur permettre de cibler, de communiquer et de prendre des décisions communes. C'est un départ assez chaud, je dirais, parce qu'on a eu 3 jours pour en fait faire toute la problématique, méthodologie et vouloir ce qu'on voulait faire à travers cette école de terrain. On a remarqué que oui, les problèmes d'eau sont assez similaires à travers les régions. Donc c'est ça qui est bien à travers en fait cette école de terrain, c'est qu'on regarde la même problématique à travers ces régions et comment chacun s'adapte, dépendamment du climat, à ce problème. Pour le premier jour, on a parti de Oued Sajnen, qui est le début de notre zone d'étude, jusqu'à le point 7, qui est proche de Douar al-Msabhiya, Douar al-Aqba et Douar al-Hamem. On a fait donc une enquête collective au niveau de ces habitats-là, de son point-là, avec des agriculteurs de la région. On rencontre des personnes, enfin ici par exemple, qui sont dans des endroits très difficiles d'accès. Donc si on n'avait pas l'opportunité, plus les personnes tunisiennes qui connaissent les lieux, qui connaissent les gens, etc., ce serait difficile pour nous de venir. Et puis on apprend sur le tas. Par exemple, moi j'ai fait la science politique avant, je ne savais pas faire un carottage et puis on a fait ça aujourd'hui. Enfin, on apprend des autres étudiants et puis c'est... Voilà, donc je pense que c'est formateur pour tout le monde. L'école de terrain, dans ce cas, c'est une occasion pour faire une collaboration entre différentes universités. Et bon, on partage un peu les connaissances. Tout, on est dans une région méditerranée avec des problèmes pareils. Et la manière de s'adapter peut-être c'est un peu différent dans chaque territoire. Et vous pouvez entendre comme ils faisaient les choses ici. Je pense que ça peut être très intéressant.
There are different environmental problems here. One of them is in some parts of the watershed, there are also overexploitation, that this overexploitation affects to the groundwater quality, especially close to the sea, because there are some intrusion problems, but also affects to the ecological quality of the river. And also there are some problems because there are some contaminations associated with the agriculture activities. And also there are some flood risk because the Muga sometimes do a lot of floods and a big. Our field school spend only 1 week, and at the end of the week students have to produce outcomes. This is quite difficult. Furthermore, they will have to work in a team. It is a multidisciplinary team. They don't know each other. They come from different countries and they will have to learn to work together and to build a concrete solution. The school is really going well, so I can say that I have met lots of people who are really different background, and we have a good, really good connection, and we can discuss everything basically, especially in the field. We learn a lot from the lecturers and the specialists, so this is a kind of really good for us basically. On apprend aux étudiants à prélever surtout les marques en vertébrés. C'est un groupe d'organismes qui habitent dans la rivière. Et donc, sur le terrain, on fait ça. On apprend les différentes techniques pour connaître mieux la communauté, mais aussi des techniques qui suivent les protocoles établis par les agences de l'eau pour utiliser ces organismes comme indicateur de la qualité de l'eau. Et après qu'on est dans les labos, on identifie les organismes. Et on essaye de faire une liste de familles de ces différents sites de la rivière pour voir s'il y a cette relation entre l'écologie de la rivière, les conditions environnementales, les possibles impacts que reçoit la rivière et la communauté qu'on y trouve là. On va dans l'eau pour mesurer la vitesse d'écoulement de la Muga. Donc on a une section qui fait 5,50 mètres et on a décidé de faire approximativement des mesures de vitesse sur chaque verticale tous les 50 cm. Et en fonction de la profondeur d'eau, on va choisir combien de points on va faire par verticale. Après, on ira chercher dans une table les coefficients qui nous permettront en fait de calculer la vitesse sur le bord des rives. Je conseille vivement les étudiants à participer à ce genre de collaboration entre des étudiants, que ce soit tunisiens ou autres, et des étudiants français ou autres. Parce que c'est vraiment des opportunités d'échange, que ce soit sur le plan scientifique ou culturel ou même personnel. J'avais envie de rencontrer des étudiants espagnols, hollandais et de Côte d'Ivoire. J'avais vraiment envie de voir comment est-ce que finalement dans tous nos pays où on travaille tous plus ou moins sur la thématique de l'eau, comment est-ce qu'on arrive à s'entendre aussi nous sur des thématiques qui nous sont communes. Donc déjà, c'est la première expérience super positive. If you are studying about water
management and water treatment and everything related with water. I think it's really good to go to a place that during 1 week they will explain you things about all different subjects about water. Je conseille qu'ils le fassent, c'est très intéressant, parce que même si on pratique en Tunisie ou n'importe quel autre pays, ce n'est jamais pareil pour les autres pays. Déjà même pour le cursus, j'ai parlé avec plusieurs nationalités, ce n'est pas le même cursus de ceux qui viennent d'Espagne, ceux de Montpellier, et non plus ceux qui sont de Côte d'Ivoire. C'est pas le même cursus, donc tu découvres à chaque fois et tu apprends à chaque fois plus. My advice would be to look for the general information of the International Field School, search for the program of the school, look if you have already seen this or not, but even if you have already seen it, I think it's important to look for the objectives of the International Field School. So if you feel like it could be of use to you, I think that you should really consider it, because it's not only the experience of learning something new in your career, but also because you get in touch with people from different countries, you get to be in a complete international environment.